Salut à tous, Asphax, le jour se lève sur Raft, on va pouvoir commencer l'épisode 2, donc je le tourne juste après l'épisode 1, et normalement on devrait être un peu mieux dans cet épisode-là, puisque maintenant on peut boire assez facilement, on peut manger assez facilement dans le sens où on a un barbecue, et on a l'atelier pour pouvoir apprendre de nouveaux objectifs, et on a deux filets de récupération pour pouvoir récupérer un petit peu les déchets qui nous arrivent dessus. Ça, c'est très pratique. Par contre, niveau bouffe, là j'ai plus rien. C'est-à-dire que j'ai même plus de betteraves, j'ai plus de pommes de terre, tout ça. Alors je vais peut-être en choper... Oh, une île, droit devant, ce serait génial. Ok, on va essayer d'aller sur l'île, évidemment. Si je peux, aller un peu plus sur la droite, mais bon, ok, pourquoi pas. On va essayer déjà de se faire une petite canne à pêche. Donc pour ça, il me faut des cordes. On va s'en faire pas mal, hein. Voilà, j'ai de la place pour en faire plein, voilà. On se fait une petite canne à pêche et ça va nous permettre déjà de pêcher un peu de poisson, ce qui sera quand même très pratique. En attendant la pêche, oh là 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 là, est-ce que je peux faire une pagaie ou une voile? Il me faudrait une voile pour ma navigation, voile. Il me manque des fleurs de palmier, non c'est pas possible, je viens de les utiliser pour faire des cordes. Ok, allez, allez, allez. On peut essayer une voile, on va essayer de dériver directement sur l'île, ce serait nickel niveau bouffe. Allez, c'est faisable. Il me faut juste deux feuillages. Allez, vas-y, s'il te plaît, dans le tonneau du feuillage. Et oui, c'est bon, parfait, ça le fait. Donc, une voile, on fabrique la voile, parfait. On la met en place. Ok, oh, oh, non, non, arrête de tomber dans l'eau, mais c'est pas possible ça. Ok, on va la mettre là pour l'instant. Ok, on va l'ouvrir et on va la mettre... R pour pivoter, attends, voilà, R, on va la mettre par là, direction l'île, hein. Je crois qu'on est bien là, le vent va nous pousser normalement vers l'île, là c'est pas mal, peut-être même encore un peu plus par là, voilà, on va dériver un petit peu vers l'île, et je pense qu'on va pouvoir s'y accoster, ce serait génial, en attendant, on va pêcher du poisson, tranquillou, hop. Alors, comment ça marche? Je sais plus. Je sais plus si on voit le bouchon qui coule, je suppose, ou même le poisson directement qui vient directement dedans. On va faire gaffe. Et en attendant, on va se rapprocher de l'île. Ce serait vraiment le moment de regagner un maximum de bouffe pour être tranquille après. Ok, c'est bon, j'ai eu quelque chose. Une vieille chaussure. Mais non, c'est pas possible. Ok. Autre chose qu'une vieille chaussure. En tout cas, là, le vent m'amène pile sur l'île. C'est vraiment nickel. Allez, pêche autre chose. Hop, qu'est-ce que j'ai? Une bougie en bouteille. Mais j'ai que des déchets, là. Je sais que la mer est très polluée. J'en suis satisfait. Ça me permet de choper plein de trucs. Mais quand même, faut pas exagérer. C'est catastrophique, là. Allez, un poisson, s'il te plaît. Un poisson. J'ai presque plus de bouffe. J'ai presque plus rien. Allez, allez, allez. Ok. Ok, macro cru. Ok, donc ce qu'on va faire, avant de partir sur l'île... Attendez, c'est pas pratique avec... On va placer... Je peux jeter la vieille chaussure ou pas, là? Jeter la vieille chaussure. Et n'éclaire pas beaucoup, mais reste très esthétique. Ok, c'est de la déco. Ok, et on va mettre le maquereau ici. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à manger. On va récupérer tout ça. Et on arrive sur l'île. Ok, est-ce que... Ouais, c'est parfait. Mon bateau se... Oh là là, j'ai faim, j'ai faim. Je vais d'abord boire. Je pense que mon bateau... Hop là. J'espère qu'il va rester... Par là, voilà, reste près de l'île, s'il te plaît. Allez, on boit un petit coup, il faut que je mange, dépêche-toi le maquereau. On reste coincé sur l'île, c'est bien, c'est parfait. Allez, le maquereau, ça va nous donner plein de bouffe, ça, c'est super bon. Même dans la vraie vie, c'est bon, alors là, sur Raft, c'est nickel. Allez, 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 je place une planche au cas où, pour bien qu'il grille le maquereau. Vite, 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 s'il te plaît, ça va, on reste coincé sur l'île. Faut bien maîtriser le vent, hein. Parce que si le vent tourne, potentiellement, mon bateau s'en va. Allez vite, j'ai faim. Mais c'est super long la cuisson d'un maquereau. C'est super long. Ah, ça y est, il est prêt. Ok, allez hop, on le mange. Voilà, ça donne plein de bouffe, c'est nickel. Et on y va maintenant. Alors qu'est-ce que je peux ramasser? Je me suis pas fait de hache. Oh, ce serait bien que je me fasse une hache. Attends, est-ce que je peux en faire une? Hache en pierre, ouais, super. Ok, on va pouvoir couper de l'arbre, récupérer ce qu'il y a dedans, récupérer du bois. Donc ça, c'est vraiment très bonne nouvelle, ça. Parfait, allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? Graines de palmier, noix de coco, planches, planches encore. Ok, plein de planches, c'est nickel. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Des fleurs, pour l'instant, je les laisse, c'est pour faire du colorant. Oh là, il y a des mangues dedans, je crois.
Fleurs de palmier, mangue. Oh, excellent! Feuilles de palmier. Ok, encore des planches. Super, ça me sauve, c'est trop bien. Planches, planches, feuilles de palmier. Ok, allez, vas-y. Ok, nickel. Est-ce que j'ai d'autres choses à récupérer à part les fleurs, hein? Ah ouais, j'ai encore un autre arbre là-bas. Faut vraiment récupérer tout le bois possible. Là, ça va me refaire plein de bouffe. C'est un super début. C'est vraiment nickel, ça. Pour la suite, ça va être génial. Plein de plastique et on va pouvoir agrandir à fond le navire. Ça va être parfait. Et est-ce que je tente d'aller récupérer des choses sous l'eau, sachant qu'il y a le requin, évidemment, hein? Mais hop, on va voir. Il y a quoi là ici? Est-ce que j'ai des choses à récupérer? Il est où le requin? Déjà, il faudrait que je voie où est le requin. Là-bas, il y a de la ferraille. Il faudrait que je la récupère. Niveau oxygène, je suis en train de perdre. Allez, on récupère les deux de ferraille. Ah, il me faut le crochet? Il me faut quoi? Non, il me faut autre chose. Pourquoi je peux pas le ramasser? Peut-être une pioche qu'il me faut, je sais pas. Mon navire est toujours là ou pas? Ouais. C'est marrant, hein, le requin a pas l'air de m'embêter. Alors pourquoi je peux pas ramasser? Ça se trouve, il me faut un truc en fer pour le ramasser. Mais ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Pour moi, je devrais pouvoir le ramasser comme ça. En plus, j'ai un symbole qui me dit que c'est bon. Ou alors, je reste jusqu'au bout. Ouais, voilà, c'est ça. Je reste jusqu'au bout, d'accord. Donc, je perds un peu en oxygène, mais c'est pas grave. On se dépêche. Ok, j'ai re-récupéré de la ferraille. Et puis, ouais, par bonheur, le requin, il est pas là. Je sais pas pourquoi, mais c'est génial. Si le requin me laisse tranquille, après, c'est risqué. Ah, le voilà! Ok. Il est où? Ok, il est juste là. Bon, allez, vas-y. Pour l'instant, on retourne au radeau. C'est pas le moment de mourir. On a fait des super stocks. Là, c'est parfait. Donc on retourne au bateau et puis on va repartir. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Hop, ok, très bien. Ok, j'ai eu chaud parce que le requin était pas loin. Allez, hop, on pivote, on repart par là. Normalement, on devrait décoller. Encore un peu plus par là, peut-être. Voilà. Bon, j'ai encore pas beaucoup de place, alors on va commencer encore à agrandir là. Hop, 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 hop. Hop, hop, ça c'est bon. Ici aussi, on va agrandir. Voilà, j'ai plus de plastique, mais c'est pas grave. Du coup, la voile, on va peut-être pouvoir la bouger. On va la retirer. Attends, vas-y, retire-la, s'il te plaît. Parfait. Et on va la mettre plutôt dans le fond. Ce sera mieux. Voilà, genre on la met là. Voilà, nickel. On va la déplier, ouvrir. Et au niveau de la direction, on veut par là. C'est ça? Ouais, on veut par là. Parfait, très bien. Ok, bon. Alors, niveau bouffe, du coup, est-ce que j'ai des choses à faire cuire là? Noix de coco étanche la soif. Mangue, non, ça les mange directement. Donc, en gros, il va falloir que je repêche en attendant. Et puis, il faudrait que j'arrive à me refaire. Ah ouais, on va refaire ça. On va refaire des filets. Plein de filets. Donc, pour ça, il me faut. Pour les filets, je crois qu'il me faut des clous. Hein, c'est ça? Je peux en faire des clous? Ouais, bah, je fais des clous. Très bien. Et pour faire des filets de récupération, c'est où? C'est là, je peux en faire pour l'instant juste un, on va le rajouter. Alors attendez, là on a quel angle? On est à peu près par là, je vais mettre le filet genre ici. Il faudrait que je le mette ouais, là, et puis après ici je remettrai des petites constructions pour le protéger. Mais voilà, on peut espérer récupérer un maximum de déchets comme ça. Ok, je farme un petit peu et on va pêcher aussi. Je vais pêcher pas mal et on se retrouve après. Mince, alors là j'ai pas de lance et le requin casse mon filet de récupération. Donc ça c'est perdu. Est-ce que je peux récupérer les planches avant? Ouais, voilà. Donc là j'ai perdu un filet de récupération. Tant pis, il va falloir que j'en refasse un. Là-bas il y a une épave. On peut essayer d'aller vers l'épave. Par contre il va faire nuit. C'est risqué. Mais bon, c'est pas grave. Ok, allez hop, direction l'épave. Par là on va essayer. On va essayer de l'accoster. Pas sûr que ça marche, mais on sait jamais, ce serait cool. Bon, il fait nuit. Il me faudrait en fait. Est-ce que j'ai de l'eau là? Remplir d'eau douce. Il me faudrait en fait un lit là pour dormir. Mais pour ça, il me faut plus de feuillage. Il m'en faut 8, je crois. 10 et j'en ai 5. Donc on va attendre encore un petit peu. On va toujours essayer, voilà, là d'aller direction l'épave pour récupérer des trésors potentiels. Ce serait pas mal. J'ai plus de crochet. Je vais m'en refaire un par contre. Voilà. Ça c'est bon, c'est parfait. Ah, je peux bientôt me faire un lit, je pense, hein. Il manque pas grand-chose pour le lit. Ok, c'est bon. Allez, il manque deux feuillages. Si je trouve des feuillages, ce serait cool. Histoire de passer la nuit un peu plus vite, qu'on y puisse voir un peu mieux. Allez, vas-y.
Là, il n'y a pas de feuillage, il y a du plastique, tout ça. Là, il y a du bois qui arrive. Bon, je vais attendre. Ok, on est presque sur l'épave. Là, au niveau de la direction, il m'emmène pas vraiment bien. Attends, un peu plus par là. Voilà. Il faudrait que j'arrive à aborder et à retourner sur mon navire. Allez, c'est parti. Hop, on va peut-être se faire taper un peu par le requin. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Vas-y. Allez, saute, saute, saute. Non, j'ai raté ça. Comment c'est possible? Allez. Ok, je me suis fait taper. Je suis dessus là ou pas? Ouais, je suis dessus. Ok, récupérer la caisse. J'ai eu plein de choses. Je crois que c'est tout. À moins qu'il y ait une caisse là en haut. Mais. Non, ok, on coule. Donc c'est bon, c'est tout. Il est où mon radeau? Il est là. Ok, ça va, je suis pas trop loin. Allez, on y va. C'est parti. Hop là, nickel, c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Minerai de métal, boulons, des clous, etc. C'est pas trop mal. Alors j'ai peu de chance, pendant la nuit, on s'est encore fait attaquer par le requin. Il a détruit le deuxième filet qui était ici. Donc il faut vraiment que j'arrive à protéger mes filets. Apparemment, il attaque pas mal les angles. Donc il faudrait que je mette plus de fondations sur les angles. Là, je vais faire cuire un peu mon poisson. Ça, c'est bon. Donc un lit, on avait dit. Donc, lit simple. Ok, fabriqué, ça c'est bien. La prochaine nuit, déjà, on sera moins embêté puisqu'on pourra dormir. On va se mettre là. Très bien, parfait, très très bien. Ok, donc là, hop, on va prendre ça, on va prendre le tonneau. Hop, niveau bouffe, bon, j'ai un peu soif, un peu faim, mais ça va encore. Ça, c'est quoi? Je sais pas si je dois le boire ou si je dois le verser. On va le verser, on va remplir d'eau douce, on va le boire. Ensuite, on va re-remplir. Ok, ça c'est bon. Je vais aussi manger tout de suite mon poisson. Voilà, comme ça là, pendant allez, quelques instants, je vais pas avoir faim et ça va faire du bien. Je vais mettre ça là comme ça, on va refaire cuire la pomme de terre, on mange ça, voilà, j'ai ni faim ni soif, ça c'est bien, c'est parfait. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses là pour l'instant? Non, il n'y a pas d'autre île pour le moment, donc tant pis, on va continuer un peu la récolte. Alors ce qu'il me faudrait, donc ce serait d'autres filets, mais en fait il me faudrait d'autres clous. Mais j'ai plus de ferraille, donc il va falloir vraiment que je retrouve de la ferraille. Pour ça, le mieux serait d'aller sous l'eau, donc il faudrait retrouver une île, ce serait bien. Mais bon, pour l'instant, et pour l'instant, il n'y a rien, donc on va voir ce qui arrive. Voilà, j'ai de la chance, heureusement que j'ai mis la petite protection, là, la petite fondation. Il faudrait que je me fasse une lance quand même, pour pouvoir... Ah, il me faut un peu de corde. J'ai de quoi en faire une corde, ouais, allez, comme ça la prochaine fois qu'il y a le requin, je vais pouvoir le taper un petit peu déjà, et en fait il peut s'enfuir du coup avant d'avoir tout cassé, ça peut être assez pratique quand même. Allez, hop, je continue, je vais peut-être repêcher un peu de poisson, parce que là, si j'ai faim, j'ai plus grand-chose à manger, donc on va reprendre un petit peu de poisson. Qu'est-ce qu'on peut avoir en petits poissons? Pour l'instant j'ai que des petits poissons. Et après, au fur et à mesure, je pense que je pourrais améliorer ma canne à pêche pour avoir des plus gros poissons. Mais alors à ce moment-là, il faudra que je me prenne un plus gros barbecue aussi. Oh là, très très mauvais lancé ça, Sfax. Un plus gros barbecue pour pouvoir faire cuire des gros gros poissons. Et là, on sera bien. Niveau bouffe, ça va nous régénérer toute la bouffe d'un coup. Ce sera parfait. Allez, vas-y, pêche-moi un autre poisson. Ce serait nickel. Voilà, parfait. Deux poissons. Très très bien. Comme ça, je récupère. J'avais une petite pomme de terre, je crois. Voilà, pomme de terre cuite, parfait, je vais la manger. Et j'ai du poisson. Bien. Bon, donc maintenant il me faut des tonneaux, des trésors. Oh mince, il y a de la houle, il y a une petite tempête qui se prépare. Ça, j'aime pas ça, évidemment. Allez, hop, ça va être trop loin. Ouais, ça va être trop loin. Du coup, ouais, on va peut-être ranger la voile. Hop, comme ça, on va suivre en fait on va suivre le vent et ce sera mieux. Voilà, ouvrir, parfait. Voilà, on va suivre un peu la tempête parce que sinon on risque d'aller un petit peu n'importe où et ça pourrait être assez dangereux. Je crois voir une île là-bas, mais j'en suis pas sûr. Je sais pas encore si y a une île, c'est pas mon imagination. Ok, allez, c'est parti, on ouvre la grande voile, direction l'île. Je crois que je suis bien. Je crois qu'elle est par là. Elle est là! Donc un peu plus par là. Zoup. Allez, j'espère que le vent va pouvoir me pousser par là-bas. Surtout qu'il y a les rafales. Mais c'est une belle île. Ce serait vraiment bien de pouvoir récupérer pas mal de choses là-dedans. J'ai rechopé un tout petit peu. Ah, là-bas, il y a aussi un. Là-bas, il y a un. Mince, un navire échoué. Mais on va plutôt aller chercher dans l'île ce qu'il y a comme bouffe, tout ça. Parce que là, de toute façon, il est déjà un peu loin en fait sur le côté. Mince, je fais mal mes lancers là.
L'épave est déjà un peu loin. Ok, j'ai totalement raté. Tant pis. Allez, je suis bien vers l'île. Ouais, ça me paraît pas mal. Niveau direction, peut-être un tout petit peu plus à gauche. Et ce sera parfait. Parfait, parfait. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a une espèce de grosse cheminée sur l'île, ou alors c'est une grosse montagne. C'est bizarre. J'ai avec la houle qui me pousse un peu par là. On va encore aller plus vers la gauche. On va essayer d'accoster là-bas. Ce serait vraiment génial. Ça m'a l'air d'être une très grosse île. Et ouais, l'espèce de cheminée, bâtiment, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est juste l'île, mais c'est bizarre. J'ai jamais vu ça encore sur Raft. Et j'espère que je vais pouvoir accoster à un endroit. J'ai l'impression que elle est très en hauteur, cette île. Et je peux pas faire un escalier par hasard. Faudrait un clou. Genre, hop. Ah, il manque des clous. Sinon, je mettais un petit escalier là, comme ça. Tac, et ça me permettait de grimper. Mais j'ai pas de clous. Après, je peux m'en faire des clous, cela dit. Mais non, il manque de la ferraille. Il manque de la ferraille. Ok. Allez, vraiment tout à gauche là. J'ai un peu du mal. Peut-être me faire une pagaie. Je peux faire une pagaie. Pagaie. Ouais, c'est bon. On va essayer de l'aider un peu. Je sais plus comment ça marche, mais je pense que si je vais par là. Voilà. Ok. Faudrait qu'on aille plus par là. Et qu'on arrive à grimper sur cette île. Alors, c'est pas un bâtiment. Par contre, en haut, il y a un trésor. Il y a quelque chose sur l'île là. Donc, ce serait super bien de réussir à y accéder. Ah, j'ai soif. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Allez, allez, allez. Hop. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, par là, par là, par là. On va essayer de sauter directement sur l'île ici comme ça. Ou sinon, on va faire le tour. Il faut que j'arrive à coincer mon navire sur l'île pour pas que après il s'échappe. Mais je pense que là, c'est bon avec la direction de la voile. Ok. Allez, vas-y. Essaye de passer. Ouais, c'est bon. J'ai réussi à sauter. Mon bateau va bien, parfait. On va pouvoir récupérer tous les trucs. Donc ça, c'est cool. Allez. Planche, feuille de palmier, excellent. Encore une autre île superbe. Et alors là, avec le trésor en haut, potentiellement, c'est nickel. Des fleurs, on s'en fiche. Ok. Ici, allez, grimpe. Il est où le trésor? Il est là. Là, il y a quelque chose. Voilà. Caisse de stockage. Charnière, recette. J'ai eu un autre crochet en plastique. J'ai eu des clous. J'ai eu pas mal de, ouais, de charnières, c'est cool. Donc ça, c'est nickel. C'est parfait. Je peux casser ça ou pas? Non, je peux pas casser ça. Ok. Et je peux casser la pierre ou pas? Non. Ok. Alors on va casser plutôt les bois pour l'instant. On va se refaire le plein. Et là on va être bien. On va être très très bien. C'est parfait. C'est quoi ça par terre? Ananas. Super. Ok. Qu'est-ce que je peux ramasser d'autre? Il y avait un autre arbre, je crois. Oula! Mon navire s'en va! Ah! Stop! Stop! Vas-y, saute, 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 saute! Ah, ça m'est déjà arrivé hein, une fois de ne jamais avoir pu rattraper mon navire et après je l'ai perdu totalement. Ok, c'est bon. Ah, le vent a tourné, le vent a tourné. Bon, j'ai raté un arbre. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va partir maintenant. Je sais pas par où. On peut partir par là, c'est bien. Je crois qu'on a un bon angle. C'est un nouvel angle, donc pourquoi pas, c'est bien. On va récupérer le hareng cuit. Parfait. Bon, pas mal d'émotions, mais on a chopé des trucs cool. Est-ce que je peux me faire une caisse de stockage, moi? Il me faudrait de la place. Petite stockage, il me faut du plastique. Ah ouais, j'ai pas de plastique, genre. Ok, dans mes caisses de récupération. Je les ai protégées, vous avez vu, j'ai mis des fonds d'art un peu partout, là, pour protéger. Bon, bah, on va essayer de se ramasser un peu de plastique et de faire une petite caisse de stockage. Et on sera pas mal, on sera bien. Alors, j'ai une autre île droit devant, il va faire nuit, on va pouvoir dormir. Normalement, impossible de s'endormir en plein jour. Oui, bon, attends, en plein jour, attends 3 secondes et puis il fera nuit. Un peu de patience, s'il te plaît. Voilà, le jour va se lever. Ah non, le jour se lève pas. Ah oui, alors, oui, j'ai oublié des détails totalement logiques. La petite île, on l'a ratée parce qu'on. Ah non. Je croyais qu'en fait, vu qu'on avançait, en fait, on allait rater l'île. Alors oui, par contre, dormir, ça donne la faim. La faim et la soif continuent. Alors dans ce cas, hop, placer planche, placer de l'eau, je suis obligé. Il me reste des mangues. Ouais, ananas. On va se manger un ananas déjà. Ça va faire du bien. Voilà. Ici, niveau bouffe, placer planche et puis placer le petit poisson. Voilà. Ok, donc on est toujours en direction de l'île, ouais c'est pas mal. Bon le jour quand même arrive, donc c'est bien.
Ok, donc niveau place, plus trop de place, hein. Donc c'est toujours un stockage que je veux faire et il me manque du plastique toujours. Il me manque 4 plastiques. Là, j'ai plus rien là-dedans. Oh là, faut que je protège, ça a été cassé là. Ouais, mais si je... Bon, bah tant pis, ça va me recoûter du plastique, mais il faut que je les protège, mes trucs. Ok, on arrive sur l'île, ça a l'air sympa. Ça a l'air pas mal. Au niveau de la direction, on est bien. Peut-être un peu plus vers la gauche. On va remanger un peu, peut-être, hein, et boire. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ici, on va récupérer ça. Voilà. Il me reste des choses à manger ou pas? Allez, hop, des betteraves. On va les cuire aussi, c'est meilleur. Voilà. Et on va arriver sur l'île, donc. Alors, je vais récupérer ça. Est-ce que j'arrive à grimper comme ça sur l'île? Oui, je suis vraiment un bel acrobate, c'est cool. Allez, vas-y, chope-moi tout ça. Tac. Planche. Bon, on a eu pas mal d'îles dans cet épisode, c'est vraiment chouette. Parce que des fois, c'est pas toujours facile à trouver. Ok. Ok, allez, vas-y. Je vérifie mon bateau parce que qu'il reparte pas comme tout à l'heure. Là, il tourne, hein, on voit bien. Il va pas rester très longtemps. J'ai encore des mangues, j'ai même des graines de mangue. Pastèque, excellent. Mince, qu'est-ce que j'ai jeté? Fleur blanche, ok. Allez, on se dépêche parce qu'à mon avis, c'est mon navire qui va pas tenir. Allez, allez, allez. Noix de coco, palmier, etc. Qu'est-ce que j'ai jeté? Fleur jaune, ouais, je m'en fiche. Ok, en fait, là, je suis tout plein, donc on va jeter les graines de palmier pour l'instant. Non, je sais pas quoi manger. Je sais pas quoi jeter. Planche, planche. Ok. Bon, mon navire. Ça y est, il s'échappe. On se dépêche, faut que j'aille le ramasser, on verra après pour le reste. Oh, le requin est juste en face. Allez hop, je me fais croquer. Super, super. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Le requin doit me suivre en plus là. Pas tarder à me refaire croquer. Non, 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 allez hop. Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Ouh, plastique, j'en ai combien? 3, ça va pas du tout ça. Bon bah je me ferai ma petite caisse de stockage un petit peu plus tard. Voilà, du coup on a bien avancé, on a un lit, on a chopé vraiment pas mal de ressources. Faut que je refasse des filets de récupération. Et puis on a la voile hein, qui nous permettra de prendre des directions un peu différentes. Donc ça c'est pas mal du tout. Juste par contre on va repartir par là. Là où il y a des... Faut suivre les vagues de déchets, sinon après on va rien pouvoir récolter. Voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut!